Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, eh bien je m'appelle Carole et cette chaîne est dédiée aux parents où je donne donc des astuces de maman à maman et papa. Aujourd'hui, je voulais simplement vous parler de vélo. Alors, pourquoi je parle de vélo aujourd'hui? Eh bien, parce que on m'a demandé à plusieurs reprises quel type de vélo j'utilise ou en tout cas que j'ai acheté pour mon bébé. Et aussi, à chaque fois que je vais au parc, et moi et mon mari, nous allons au parc, il y a toujours des parents qui nous arrêtent par rapport au vélo qu'on utilise pour notre garçon. Alors, c'est un vélo tout terrain pour bébé, ce qui est assez marrant. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que je trouve que c'est vraiment bien. J'ai utilisé ce vélo depuis qu'il a à peu près un an et demi, quelque chose comme ça. Je pense même un peu avant. Et aujourd'hui, il a quoi, 2 ans et demi et il l'utilise encore. Et au lieu d'utiliser la poussette, eh bien, on utilise cela parce que c'est littéralement, ça passe partout. C'est vraiment, on peut aller faire quelques courses avec et il est super content. Il a l'impression de faire du vélo, même si donc il fait pas encore de vélo. Voilà, il est vraiment super à l'aise dedans et tout le monde est content. Et ça, c'est le principal. Donc, je vais vous montrer bien la vidéo ou en tout cas la photo de à quoi ressemble ce vélo. Et je vous dis pourquoi je trouve que c'est vraiment super. Parce que d'un, c'est confortable, c'est très confortable. Vous pouvez l'utiliser dès que bébé a même littéralement un an. Mais vous pouvez l'utiliser très facilement parce qu'il y a en fait une ceinture de sécurité qui permet de faire en sorte que bébé reste en sécurité. Et aussi, bébé a vraiment du coup cette impression d'être libre. Au lieu d'être dans la poussette où il est simplement assis à regarder ce qui se passe, il a l'impression en fait voilà de faire quelque chose parce qu'il peut tenir effectivement donc un peu donc le vélo sans vraiment forcément pédaler, mais en tout cas et parce qu'il peut poser ses pieds et voilà, et il peut faire sa petite balade tranquille. Et c'est vraiment super utile et puis sympa, etc. Aussi, mon mari fait du sport, donc il court et donc il fait son jogging au parc, donc le week-end en particulier. Et à chaque fois qu'il utilise cela, en fait, il va courir avec mon garçon. Parce que comme j'ai dit, c'est des roues, les roues sont vraiment assez, comment dire, solides et puis assez grosses pour pouvoir justement pouvoir faire les petits, passe-partout. On passe donc l'herbe, on passe, donc on peut faire des petites, des montées, des petites collines. C'est vraiment un vélo passe-partout. Mon garçon aime évidemment être dans la boue, il aime sauter. Dès qu'il y a un petit peu de flaque d'eau, de boue, il aime être dedans. Et donc ce vélo est vraiment parfait pour lui, pour avoir l'impression de faire des aventures. Donc voilà, donc je vous montre de quoi il s'agit, au cas où vous vous posez la question. Et je vous mettrai aussi le lien, mais pour que vous puissiez le trouver, parce qu'à chaque fois, les parents nous demandent où est-ce qu'on a acheté ce vélo, où est-ce qu'ils peuvent se le procurer. Effectivement, ils voient que mon garçon est super content, qu'il rigole. Des fois, il lâche même, le volant. Et puis voilà, il se laisse avec le vélo. Enfin voilà, c'est plutôt cool. Donc je voulais juste vous le recommander au cas où vous cherchez un vélo pour votre enfant. C'est pas le tout premier vélo qu'on a eu. Je vous montrerai le tout premier vélo qui est un vélo d'intérieur hein, de toute façon pour bébé. Donc ce qui est quand même pas mal aussi. Mais pour tout ce qui est vraiment activité extérieure, eh bien ce vélo tout terrain est parfait. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous donnera une petite idée si vous vous demandez quel type de vélo acheter à votre enfant. Et puis, n'hésitez pas à faire des commentaires si vous voulez en savoir plus. Il n'y a aucun problème, je vous répondrai. Et puis, likez la vidéo si vraiment si vous trouvez cela utile. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Vous pouvez l'utiliser, je pense peut-être même avant cela. Donc, je vais même regarder et me renseigner.